انه يقدم اليوم اعانه لهذا الفريق قد يؤدي به الى السقوط الى مستويات اخرى. بلعباس بما يسكنش فيها راها معروفه، الفريق نتاع اتحاد ظرف خاص بظرف يخليها انه في حاله هشه، كذلك تعد خوف من توضيح هذه الاسباب. ربما الصحافه كانت في كثير من الحالات في هذا الفريق انه يقدم اليوم اعانه، هذا لا شيء. الاعانه التي غادي نطلبها بها اليوم هي في الحقيقه لضمان ادنى حد ستاسمي من دونه وستكي. التوسط نتاعها نتاع الترتيب في البطولة لهذا الفريق قد يؤدي به الى السقوط الى مستويات اخرى. بلعباس بما يسكنش فيها ولا يعرفها قديما ينتظروا بلاص في الديران اي سي تي ينتظروا بلاص في السقوط. Le théâtre est pratiquement dilué et a presque disparu. A pas de c'est-à-dire la masse plus les rejets. Parce que l'après, c'est un championnat qui doit prendre fin jusqu'à la fin de ونتيجة خدمة للرياضة في سيدي العباس، خدمة لهذا الفريق، وخدمة للجو العام نتاع مدينة سيدي العباس، لأنه متعلق ومرتبط ارتباط عضوي مع فريق اتحاد العباس. في هذه الجلسة حقيقة أمر من الأمرين يساعد وإلا تحفظيا نخليها لابريسياسيون لإنيسياتيف دو شاكر دو مدير شحال باغي يعاون هذا الفريق ومن بعد نتفاهموا معاهم على لي موداليتي دو بريزونتي للفريق، لأن حتى من جهة أخرى ولينا مرتبطين بالقرار نتاع العدم اللي خلات الفريق عاجز على استقبال ولا استقطاب الإعانة في حد ذاتها، نعتبروا نمشيو ندفعوا شي حاجة لهذا الفريق في الكونت نتاعه ولا في الرصيد نتاعه ما تكونش وجدية. فإذا نخليكم السبيل إذا كان بغيتو تدخلوا عموما بتوضيح الإعانة اللي تقدروا تقدموها ولا بالارتباط معنا من بعد عاد نتكلموا، كل واحد عنده طاقة معينة وكل واحد عنده ظرف معين وكل واحد عنده ترقب من خلال هذا المسعى في خدمة هذه الرياضة وخدمة هذا الفريق وخدمة هذه المناصرين في مدينة سيدي بن عباس. الإطارة في الكلام مع الإدارة تزيد في توضيح هذه النية، نية إعادة الفريق، وأنا متيقن أن التواجد نتاعكم
يكون من وراه نتيجة. مهما كانت نعتبرها نتيجة كانت في مستوى كل الطموحات نتاعنا اللي نتمنوها من الفاعلين الاقتصاديين، أو كانت أقل ذلك، وإنما نعتبرها كمرحلة وإعانة إلى المسؤولين على هذا الفريق في تخطي هذه الصعاب اللي راها اليوم مطروحة وبصفة حادة على هذا الفريق العادي. شكرا. Faut désigner quelqu'un, même le wilayat, pour qu'on puisse lui ramener le. Parce que vous dites que par chèque, c'est pas possible, parce qu'on est vraiment fait quantité. Donc mieux vaut qu'on les fait par espèce, pour chacun il a la liberté de. La manie, ça peut être par chèque, mais on vous dira un indicatif de qui. Pourquoi ouais. Pour moi, je cherche à régler d'abord et avant tout les créances des joueurs. Une prescription précise que je peux vous dire. Il n'y a pas de. Techniquement, la manipulation de l'espèce, elle va être par chef, mais pour moi, il y a un chef qui a un élément. Par contre, on devra se comprendre de chaque élément. Et à ce moment-là, on a fait ce qu'on a fait. Quand on a un salaire, ce n'est pas la peine de. D'aller préciser les salaires des uns et des autres, mais je suis l'objet de cette rencontre. Quel est le force à un moment, quel est le force un peu plus, quel est le force plus un moment. Et c'est en fonction de ça qu'on déterminera la relation de la personne qui nous aide vers la personne vers la marine. Comme ça, on évite. Nous sommes des chefs d'entreprise. Et il faut gérer une entreprise même quelqu'un. L'USMBA, moi je ne suis pas footballeur, mais ça, l'USMBA, d'après ce que j'en compte, parce que je suis beaucoup enfin, les événements de l'USMBA, et je vois, et ça m'a quand même l'impression que c'est un gouffre tellement très fort, mais il n'a pas de fond. Ça veut dire qu'on va verser des milliards et des milliards, mais il y aura tout le temps des besoins dans ça. Donc je pense qu'il faut orienter l'action sur l'USMDA par régler d'autres problématiques d'une autre manière. Et mais je vais ouvrir des actions, inciter les gens à diminuer les actions pour pouvoir donner à tout le monde, que toute la population puisse soutenir l'USMDA à travers des actions. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Et aussi il faut. Parce que l'USMDA, ça fait des années, on est comme ça, des années. Ça fait déjà 10 ans, 15 ans. Tout le temps comme ça, mais ça ne va pas terminer. Donc il faut trouver une solution radicale. Il faut chercher à trouver une solution radicale. Parce que sinon, il y a des gens qui ont mais ça ne va pas tenir tout le temps. Ce n'est pas durable tout ça. Hein? Ouais, on est tranquille, vous voulez, donc on va pallier un peu. Quand vous avez dit monsieur Bouli, on va pallier, mais on va faire la même chose. On va pas faire la même chose. Donc là, il faut vraiment aller profondément désigner des personnes capables de résoudre ce problème de l'UCMB d'une manière radicale. Et aller à racine. Ben, chacun de l'UCMB est là. Où est-ce que vous avez? Moi, je pense. C'est mon avis personnel. Sur ce point, je préciserai. Monsieur le ministre, nous avons, comme le ministre du Sport, nous avons sollicité parce que la gestion de cette équipe soit prise en charge par une entreprise d'envergure nationale. Le message a été entendu. Et dernièrement, nous avons reçu un écrit de la Fédération Européenne de Football, qui nous fait part de la disponibilité d'entreprendre des démarches nécessaires pour arriver à ce but. Le but de faire prendre en charge l'équipe par une entreprise d'envergure nationale. Et pour cela, ils ont sollicité à ce que l'administration donne son accord.
une manifeste son intérêt pour le soldat, ça il est fait. Le club professionnel également a manifesté son intérêt à ouvrir le capital à d'autres personnes, à une entreprise dans le même. L'équipe, le CSA, également a été sollicité pour donner son avis. Et les trois avis ont été exprimés. Portés à la connaissance de la FAF, et je pense que la démarche a été engagée. On est maintenant dans l'horizon de l'année 2019. Cette étape sera concrétisée. C'est le but que recherche tout le monde, à ce que l'équipe, à l'instar d'un certain nombre d'équipes en général, soit pris en charge par une entité économique d'envergure nationale, qu'elle soit publique ou privée. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait un socle suffisamment solide pour garantir la pérennité et la stabilité de cette équipe dans l'avenir. Elle est majeure dans le sens de votre avis. Ce que vous avez opportunément cité et exposé. جيم واحد. نعم بعد ما مرة كان ما كانش في